الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده فقول الصحابي هذا الصحابي الجليل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك معنى قل لي في الشريعة الإسلام قولا يكون حدا فاصلا مانعا وجامعا فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال له قل آمنت بالله آمنت بالله أقررت واعترفت بكل ما يجب علي الإيمان به من وحدانية الله في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته ثم قال واستقم فاستقم معنى سر على صراط المستقيم ولا تخرج عنه لا يمينا ولا شمالا فهاتان الجملتان تدمنتا الدين كله لأنهما تحملان في طياتهما شرطي قبول العبودية في الإسلام الإخلاص والمتابعة très cher frère et sœur dans ce hadith que nous venons de citer Soufiane bin Abdullah il dit qu'un jour je demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam ô messager d'Allah dis-moi une parole dans l'Islam à propos de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, dit je crois à Allah et maintiens-toi droit. Maintiens-toi sur la voie droite. Imaginez-vous qu'une personne se tient au prophète, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas n'importe quelle personne, devant le prophète, lui demande à propos de la religion. Qui connaît mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la religion musulmane? Cette personne veut une parole de synthèse, une parole claire, une parole explicite sur laquelle il va adorer Allah, qui lui permettra de rentrer au paradis et éviter l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Dieu lui a donné la capacité de s'exprimer à travers quelques mots seulement,
ce qui contient des sens très significatifs, lui répondit alors, dis je crois à Allah. La première chose, c'est la croyance. Croire à Allah, à toutes les informations, croire à toutes les informations qui a été révélée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela concerne la noble personne d'Allah, et que ce soit les anges, que ce soit les livres qui a été révélé, des messagers qui a été envoyé, l'au-delà, le destin, comme on sait, arkanul iman, de croire à tout cela. C'est une injection. Puis après, dans l'ordre de succession, que la personne se maintient sur la voie droite. Ce qui veut dire que la première chose dans l'islam, c'est la foi. Et ce hadith est une recommandation la plus complète, la plus utile, car ça contient tout ce que le croyant a besoin dans l'islam. C'est la sincérité, la suivi aussi, la conformité, se conformer à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, ce que nous voulons mettre l'accent là-dessus, que dans l'islam, il ne suffit pas seulement de dire que je crois sans œuvrer. Et ça, c'est très important, car nous constatons autour de nous des gens aujourd'hui qui se disent ou qui se réclament d'être musulmans parce qu'ils sont nés des parents musulmans, mais leurs actions sont très loin d'être musulmans. Il ne suffit pas d'être né des parents musulmans ou de prononcer le mot que je suis musulman, cela ne fait pas de toi un musulman. Il faut impérativement l'action. Car le savant religieux dit Al-Iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Il dit que la croyance musulmane, c'est ce qui a été ancré dans le cœur et que les actes les a confirmés. Et ça, c'est très important. Car quand nous regardons la créature la plus maudite, n'est autre que Satan. Crois-tu que Satan ne croit pas à Allah? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Qui parle? Satan. Il parle à qui? À son Seigneur. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc il reconnaît Tawhidul Rububiyya, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Satan reconnaissait ça. Et il dit dans le Coran aussi, wa qala shaytan lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adaka wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Il dit Dieu vous a fait une promesse de vérité et je vous ai promis, mais je n'ai pas tenu mes promesses. Et ici il reconnaît que Dieu, c'est la vérité appartient à Allah. Et aussi quand il jure, il dit bi'izzatik, il jure aux gloires d'Allah. Il dit si tu me donnes de répit. Tout ça nous dit que Satan, il croit à Allah, que Allah existe, il croit que celui-là a créé, il croit à toutes ses capacités, tout ce que nous savons. Mais pourquoi il a été jeté de l'enfer? Il a été maudit et repoussé. Il a failli à une seule posternation qu'on lui recommanda de le faire. Il refusa et ça a été vraiment sa malheur. Donc c'est très très important que la croyance de l'islam, la foi en l'islam, contient al-amal, al-itiqad wa qawl. C'est une parole bien sûr. Après que ça soit ancré dans le cœur, il faut que ça soit confirmé aussi par les actes. ومن كان يريد الآخرة ومن كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Quiconque veut la vie présente, nous nous hâtons de donner à qui nous voulons ce que nous voulons. C'est très important. Il y a des gens qui ont cette bamone, ils n'ont rien fait. C'est par l'héritage qu'ils ont eu la richesse. Donc ce n'est pas tout ce qui cherche ce bamone l'aura. Et ce n'est pas tout ce qui a cette bamone l'a cherché aussi. Donc, mais quand l'au-delà, quiconque recherche l'au-delà, et ça c'est très important, et fournise les efforts qui y mènent, tout en étant croyant.
Donc il y a des conditions là-bas, c'est très important. Rechercher, faire, il a la niya, ça c'est très important. Et fournir les efforts, les actes sont là, et qu'il se soit croyant, basé sur la foi. Ce dont les efforts sera reconnu. Donc c'est très important. Quand on voit aujourd'hui, ça fait beaucoup de la peine, quand tu te rends sur certaines gens, pour certaines cérémonies ou situations, quand il y a un décès, tu vois cette personne à la fin des paroles, il te dit, mon père était imam, ou mon oncle était tel, et lui, il n'a rien de l'islamique. Il ne prie pas, il ne s'approche pas aux musulmans, et c'est très très important. Car l'islam, le Coran, nous a donné des exemples, dire que, voilà, tazir, wazirat wizra okhra. Voilà, tazir, wazirat wizra okhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, la yuhmal minhu shay'un, wa law kana dha qurba. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Si une âme appelle à aide, une âme qui est surchargée par des péchés et elle est destinée à l'enfer, et il appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre âme, même si c'est proche parent. Et ça, c'est très important. Yoma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imri'in minhum yawm aydin sha'nu yughni. Donc c'est très important dans l'islam, chacun doit répondre à ses actes. Donc il suffit pas seulement d'être né des parents musulmans, et malheureusement ça fait beaucoup de peine vraiment quand tu vois une personne qui a eu cette chance d'être né des parents musulmans et tu le vois alors ne pratique pas l'islam ou non, il commence à philosopher. Dieu nous a donné beaucoup d'exemples de ça. Wanada nuhu rabbahu فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه ليس من اهلك وانه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم واني اعذك ان تكون من الجاهلين. Imaginez-vous, on parle de qui? On parle d'un prophète, d'un messager, d'un Oulul Azm qui invoqua son Seigneur. Mon fils fait partie de ma famille. Mon fils fait partie de ma famille. Il a été noyé. Il est destiné à l'enfer. Il invoque Allah. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il ne fait pas partie de ta famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Car ses actes n'étaient pas conformes à ce que nous avons ordonné. Donc c'est très important. Il a donné aussi d'autres exemples. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Dans ce verset coranique, Dieu a donné en parabole la femme de Noé et la femme de Lot qui étaient sous l'autorité de deux vertueux de mes serviteurs. Mais ils les trahirent. Ils les trahirent. Et la trahison de ces deux femmes ne concerne pas la fidélité à ce qui concerne ce qui est entre l'homme et la femme ou l'adultère. Non. Dieu les a protégés. Car cela concerne aussi leur mari. Ils n'ont pas trahi leur mari dans, à ce qui concerne l'adultère. Non. C'est la religion qu'on parle. Et on les a dit de rentrer en enfer avec ceux qui rentrent. Il n'y a pas de traitement de faveur. Et ces deux prophètes, malgré qu'ils sont des prophètes, qu'ils ont eu des intimités avec ces deux femmes, qu'ils ont eu vraiment de la cohabitation avec ces deux femmes, n'ont pu rien faire pour eux. Et quant à la femme de Pharaon, Dieu lui construira alors une maison dans le paradis. Donc cela veut dire que celui qui se convertit, qui est né des parents mécréants, et se convertit, et se réforme, ira au paradis. Quant à celui qui est né des parents musulmans, et il fait autrement, il ira certes dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit, ya Fatima, bintu Muhammad, et Abu Dhi Rabbik, fa inni lan ughniya anki, shay'an min Allah. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rawahu al-Bukhari, c'est pas n'importe quel hadith, fima ma'ana, c'est pas n'importe quel hadith, c'est Bukhari même qui l'a relaté, et rapporté, que le messager d'Allah regarda un jour à sa fille. Non, c'est pas n'importe quelle fille, c'est Fatima. Il faut connaître la relation qui existe entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Fatima. Il dit, Fatima,
Demande, salini mimali machit. Demande-moi de mon argent ce que tu veux. Tout ce que tu veux de mon argent, je te donne. Ça, c'est moi, ça m'appartient. Mais quant à l'au-delà, je ne pouvais rien faire pour toi. Ici, il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on dit « je ne pouvais rien faire pour toi », oui, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des gens dans l'au-delà est une vérité. « Man zalladhi yashfa' indahu illa bi'idni » Cela veut dire que sans la permission d'Allah, ils ne peuvent rien faire pour elle. Mais par la permission d'Allah, incha'Allah, il intercédera pour sa communauté. Nous prions que nous fassions partir de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera. Et ça, c'est très important. وَوَصَّابِهَا إِبْرَاهِمْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc le Coran est très clair. C'est très clair que c'est ce que Abraham a recommandé à ses enfants, ainsi que Jacob. Dieu vous a choisi la religion. C'est un atout. C'est un atout que tu es né des parents musulmans. Ne mourrez donc qu'en étant complètement soumis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Dear brother and sister, the summary what we just say now, Sufyan bin Abdullah one day, he said to Messenger of Allah, oh Messenger of Allah, tell me something about Islam which I can't ask of anyone but you. The Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, answered him, say, I believe in Allah, and then stay steadfast. In this hadith, this companion is asking the Messenger of Allah to teach him a comprehensive and complete statement in Islam, which doesn't require any further explanation, and that he can act upon it and save himself from the hellfire. This is very important. The answer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, I believe in Allah and act accordingly. As he said in another hadith, ittaqillaha haythuma kunt. Fear Allah as you should be feared whenever you are, and never die except in a state of Islam. This is very important to say that Islam is a faith, but it's also an action. We are saying this because we have seen many people who are born Muslims. Their fathers, their parents are Muslims, but you see them, they are not practicing Islam. We have given an example as a Satan. He believed in Allah, but he disobeyed him. What was his future? His faith was hell. Also the wife of Noah and wife of Lot, both of them betrayed their husband. Although their husband was prophet, cannot do nothing for them. The example also about the story of son of Noah, his father could do nothing for him. He went to hell. So it's very important. When you are born Muslims, it's not sufficient. It's not sufficient to say that just I was born Muslim, or say with your tongue that I'm Muslim. So you must act accordingly. Très cher frère et sœur, alhamdulillah, nous avons nos frères qui vont faire la collecte pour nos frères qui sont en Bangladesh. Comme nous savons, ils ont eu vraiment des catastrophes. Le meuble qui a effondré, il y a eu beaucoup de morts. Et alhamdulillah, nous sommes dans cette mosquée. C'est une mosquée qui est très particulière à cause des relations que nous tissons ensemble de différentes communautés. Et ça, c'est très important. Pour cette raison, nous allons vraiment exprimer notre solidarité pour nos frères bangladeshis et pour ceux qui viennent de subir. Donc, nous allons faire doua. Après ça, nous allons demander à nos frères de passer avant de faire la salat. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم ثبتنا على القول الثابت يا ربنا يا رحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم من كان عقيما فحب له يا رب العالمين زرية صالحة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. دعني نفرد إن شاء الله يديك الشخص الأنفان سافي لونتان إلا باي نبريون كديو برما لي أكورد أن أنفان دوتر سي مالاد نبريون كديو لجيري. قم بالصلاة يرحمكم الله. Nous allons commencer à commencer le khutba un peu tôt pour que nos frères